Tout autre chose également dans cette édition, une belle idée de sortie pour vous et vos enfants ce week-end, le 21e festival Vapeur à Oigny dans le Pas-de-Calais. Et si vous l'avez compris, on parle d'une véritable passion pour le ferroviaire. C'est Ferrovipat, comme on dit, vont accueillir tout le week-end au centre Denis Papin les visiteurs. Et le programme est riche, avec de vieux trains postes ouverts à la visite, d'anciens postes de pilotage, une vingtaine de modèles réduits, plus ou moins grands, et bien sûr des circuits ferroviaires animés. Le plus grand d'entre eux fait plus de 200 mètres carrés. Il a entièrement été réalisé par les bénévoles du club. A noter, le dimanche, une bourse d'échange de vente qui rassemblera les plus connaisseurs. Explication et présentation du programme au micro de Sophie Laden. Vous allez voir toute la partie chemin de fer, vous allez voir des quantités de réseaux. Il y a des gens qui viennent de la France entière exposer des réseaux complémentaires à ceux que nous avons déjà. Les gens vont également voir les machines à vapeur qui vont tourner. Nous avons des amis anglais, des amis belges, des amis néerlandais qui vont venir faire tourner leurs machines. Donc ensuite, ils pourront également voir toute la partie que je vous disais tout à l'heure des trains postaux, hein, qui est quand même vachement intéressant à visiter. La mine est également ouverte et nous allons en voir également le dimanche, en complément, disons, une exposition de voitures anciennes.